Bienvenue sur les Alpes Perchées vous emmène à la découverte des stations les plus emblématiques des Alpes. Au programme, des paysages fabuleux, des rencontres, mais aussi des activités complètement insolites. Accrochez-vous, vous allez en prendre plein les yeux. Cortina d'Ampezzo est considérée comme la perle des Dolomites. Elle est située à 2 heures au nord de Venise, près de la frontière autrichienne. Elle est réputée pour ses fabuleux paysages et sa nature préservée. Je vais passer la journée avec Paola, qui est née ici et qui est très attachée à sa région. Giorno Paola. Bonjour Sandy. Ça va? Je t'ai donné rendez-vous ici car on est en face de la plus impressionnante formation rocheuse des Dolomites, le Cinque Torri. Et on est aussi entouré de superbes montagnes, chacune a sa spécificité. On est vraiment au cœur des Dolomites. L'UNESCO l'a déclaré patrimoine naturel. La beauté des paysages, pas seulement pour ses montagnes, mais aussi pour ses vallées, les forêts, mais aussi les villages qui sont uniques. On est en plein paradis naturel. Est-ce que tu peux me faire un petit peu l'histoire de Cortina et la région? Cortina d'Ampezzo est l'une des 12 stations les plus célèbres des Alpes. Elle est ouverte au tourisme depuis plus de 100 ans et est devenue très célèbre depuis qu'elle a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver de 1956. Viva! Ok Sandy, maintenant je t'emmène au sommet de l'Agathoi et dans le téléphérique, je vais te raconter une histoire. Ah ouais? Bah, j'ai hâte d'entendre ça. On y va Paola. Je voudrais te raconter une histoire à propos des films qui ont été tournés dans la région des Dolomites. Ils ont tourné des scènes très impressionnantes du film Cliffhanger sur ces rochers, là-haut. James Bond 007 a aussi été tourné à Cortina, ainsi que l'Orso. Ah, l'ours de Jean-Jacques Hano. C'est ici. Wow. On arrive tellement près des rochers. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Allez, continue à découvrir tout ça. Wouhou! C'est incroyable parce que c'est le début du printemps. Donc ça y est, on commence à avoir les vraies roches, les couleurs. Mais on a toujours de la neige. J'ai l'impression de skier dans le Grand Canyon. C'est top. Un vrai décor de Far West. Ah, les pistes sont hyper sympas en plus. C'est hyper calme. La neige est bonne. C'est facile. Il y a tous les niveaux. Non, c'est vraiment top. Allez Paola, on y va! C'est dynamique! Actuellement, nous sommes en face des Dolomites. C'est une montagne très spéciale. Tu peux bien voir les différentes lignes de couleurs qui se sont formées il y a des millions d'années sous la mer tropicale. Les Dolomites portent ce nom en partie grâce à vous. C'est le géologue français Déodat de Dolomieu qui a découvert que ce type de roche était très différent du calcaire. Tiens, ceci est un exemple de ce que tu peux trouver à l'intérieur. C'est un coquillage, puisque nous étions sous la mer à l'époque. Donc Dolomier, on a appelé la pierre d'ici. En Italie, Dolomite. C'est super la classe pour les Français. Oui. Il a la forme d'un cœur. Comme un cœur. Yes. Sandy,
Ceci est une surprise que je t'ai réservée. Le plus haut sauna des Dolomites. 2800 mètres d'altitude avec une vue magnifique. Tu m'étonnes, la vue elle est top, Paola. Et c'est génial après tout le ski qu'on a fait. C'est nickel. Oh, la vue wow. C'est très étendu, hein. On a une belle vue sur une partie du domaine là. Oui, on peut voir toutes les montagnes. La couleur de celle-ci est aussi très spéciale. Au coucher du soleil, elles deviennent orange. C'est ce qu'on appelle rosadira. C'est vraiment superbe. Merci pour ce cadeau bien spécial. Je t'en prie. À Cortina, il y a pas mal d'alternatives au ski. L'une d'entre elles, c'est le fat bike. C'est devenu hyper tendance ces dernières années. Et je vais passer la journée avec Raniero qui, en plus, apparemment, a des surprises pour moi. Go ! Bonjour Raniero. Bonjour Sandy. Ciao, tout va bien ? Très bien. Giornata splendida. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que c'est que cet engin ? Ce sont des fat bikes. C'est vraiment comme un VTT normal. La seule différence, ce sont les roues qui sont très grandes. Après, il y a différentes vitesses et aussi des freins à disque qui permettent d'emprunter les routes les plus difficiles et de descendre dans des conditions spéciales, comme par exemple avec de la neige. Bon, il n'y a plus qu'à essayer. Allez, on va mettre le casque. Oh, ça pèse lourd. Allez, go Raniero. Andiamo. Yeah. Oh. Yes, 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 yes. Non, ne bloque pas ton pied comme ça. Freine toujours doucement, petit à petit. Ah, ok. Comme ça. Ciao, Franz. Ah, bonjour, Franz. Bienvenue. Ciao. Allez, venez visiter les baraquements et les tranchées du bataillon qui vous donnent, vous allez voir, une vue imprenable sur le panorama de la frontière mythique. On te suit. Super. Voilà. Tu as vu où nous sommes arrivés avec les fat bikes ? Nous sommes sur un sommet de la chaîne italienne qui culmine à 2400 mètres. Et c'est un endroit d'une importance historique, car c'est ici qu'ils ont combattu lors de la Première Guerre mondiale. Eh bien, c'est parfait, on va faire un peu d'histoire. Bien, commençons la visite. Ok. Ok, merci. Regarde, on voit la Marmolada et l'ancienne frontière qui passe entre les sommets Undici et le sommet d'Idecci. Ça passe par l'Italie et la pointe de l'Autriche. Tu la vois descendre dans la vallée de Cordevole. C'est la ligne de garde frontière entre l'Italie et l'Autriche. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que cette petite cabane-là ? Cette cabane a été construite par les soldats de la Première Guerre mondiale pour protéger la frontière avec l'Autriche. C'est petit, hein ? Oui, c'est petit, mais confortable. Les soldats y ont passé les hivers de 1910 à 1927.
marche sur les traces de l'histoire. C'est top! Oh, ce qui nous attend! La première règle de vie à la montagne, c'est l'hospitalité. Eh bien écoute, ça fait plaisir, dans un cadre aussi beau. Salute! Allez! À la vôtre! Viva! On y va? Allez, allez! Moi j'ai peur là! Aïe 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 aïe! Oh non! Oh la vache! Aïe aïe aïe! C'est fun mais c'est pas simple! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est un rêve, c'est une chambre en pleine montagne. Oui, ça c'est la Starlight Room. C'est une chambre plongée dans la nature des Dolomites avec des murs en verre où l'on peut dormir et passer la soirée, la nuit, tout en observant la nature. Et la vallata di Cortina. Vieni, ti faccio vedere. C'est exceptionnel, insolite au possible. C'est trop mignon. Oh, c'est confortable en plus. Oui, c'est très confortable. En plus, nous offrons une prestation complète. Après le dîner au refuge, nous accompagnons les clients en motoneige jusqu'à la chambre. Ici, ils peuvent dormir sous les étoiles, regarder le panorama. Ils peuvent aussi voir la vallée de Cortina et le matin, quand ils se réveillent, on les accompagne à nouveau au refuge pour le petit déjeuner. Et comme ça, ils peuvent partir skier toute la journée. Enfin, c'est une expérience vraiment complète et totalement insolite. Écoute, la prochaine fois, je réserve, d'accord? Absolument. Voyager, c'est évidemment découvrir de nouveaux paysages, mais aussi l'art de la table. Et ici, dans les Dolomites, il y a beaucoup de spécialités, comme les tagliatelles à la myrtille ou les raviolis à la betterave, c'est super bon. Justement, j'ai rendez-vous avec le chef Luigi Darise, qui lui a des spécialités étonnantes, vous allez voir. Bonjour Luigi. Bonjour Sandy. Comment ça va? Bien, merci, et toi? Très bien, merci. Oh, quel beau cadre de travail tu as. Oui, c'est une vue fantastique. Mon père a décidé de construire ce refuge ici en 1970. La réputation de la gastronomie italienne n'est plus à faire et il y a des plats bien spéciaux de la vallée des Dolomites. Oui, nous avons des plats typiques dans les Dolomites, des plats traditionnels. Nous ne faisons pas ça ici. Nous utilisons les herbes aromatiques que nous ramassons pendant l'été pour faire des plats très particuliers. Je voudrais te montrer certains plats dans ma cuisine, si ça te dit. Mais avec plaisir. Montre-moi ça. Ok, allons-y. Entre, Sandy. Bienvenue dans ma cuisine, mon royaume. Alors, nous avons ici un plat à base de pâtes. Des macaronis à la mousse de cèpe, porc et truffes noires. Bon, alors si j'ai bien compris, on va avoir des macaronis qui sont déjà cuites, qu'on va mettre au centre, et après on va avoir de la mousse de cèpe et de porc, et après on va aller agrémenter tout ça sur une jolie assiette. Alors, on met les noix autour des macaronis, le pesto là, maintenant on met la mousse, et c'est Sandy, c'est très facile. Allez, on va voir si c'est facile. Je suis assez gourmande, hein, j'en mets beaucoup. Allez Sandy, c'est bien. Parfait. Et dernière étape alors? La prochaine étape, c'est la truffe noire, au-dessus. Tu peux y aller Luigi, moi j'aime bien. Ok. Ça parfume. La dernière étape, ce sont des herbes. Sandy, c'est à toi de jouer. Ah oui, allez, je vais faire la déco, c'est le plus simple. Tu sais Luigi, dans la région, on t'appelle l'alchimiste. Bah tu vois, regarde, je comprends mieux. Hein.
Je comprends mieux toutes ces petites choses là que tu mets sur tes assiettes. Oui, c'est vrai. Allez, la dernière, là. C'est parfait. Superbe. Bon, okay. Maintenant, il n'y a plus qu'à manger. Let's Je go. Crois que Paola m'attend. On va déguster. Allons-y. Hey, Paola! Salut, Sandy. Regarde ce que j'ai préparé avec le chef. Wow. Hey, c'est parfait, non? Excellent. Excellent. Allora, buon appetito. C'est très bon. Comment on dit en Italie? Les pâtes, c'est al dente. La pasta al dente. La pasta al dente. C'est bon. Et bien là, elles le sont. Hein. C'est délicieux. Impossible de se trouver dans les Dolomites sans s'élancer sur une via ferrata. Ces parcours acrobatiques à mi-chemin entre la marche et l'escalade ont été développés à partir du début du XXe siècle. Pour m'emmener sur cette randonnée du vertige, je vais aller retrouver Giacomo. Ça n'a pas l'air évident. Giacomo. Bonjour Sandy. J'arrive, je te rejoins. Hey. Hello Giacomo. Welcome. Sandy, bienvenue sur la Via Ferrata Andrea Ferrari. Nous sommes ici dans les Dolomites, dans la vallée de Cortina d'Ampezzo. Et avec cette Via Ferrata, nous allons escalader le pic Ragusella sur le flanc est. Qu'est-ce que c'est que la Via Ferrata? Les Via Ferrata sont des routes d'escalade typiques des Dolomites. Des câbles sont attachés sur les rochers avec des pitons pour pouvoir escalader en toute sécurité. Pour ça, nous allons avoir besoin d'un équipement spécifique, composé d'une corde avec un mécanisme un peu spécial qui dissipe l'énergie en cas de chute, et de deux mousquetons à rattacher au câble, de façon à ce que si nous tombons, nous sommes toujours reliés au câble. We are always connected to the cable. D'accord, ok. Ok, Cindy. Yeah, super, Giacomo. Bon, on a déjà fait 60 mètres sur 150. Yeah. C'est pas mal. C'est super sympa, ce chemin suspendu, là. Tu peux me parler un petit peu de l'origine des Via Ferrata? Les Via Ferrata sont nées en Autriche. Mais ici, dans les Dolomites, c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'elles se sont développées. Elles étaient le moyen le plus simple d'atteindre le sommet et de transporter, par exemple, de l'artillerie lourde, mais aussi des canons pour les soldats. Et du coup, on a continué à le développer pour les touristes. Oui, les Via Ferrata ont été réhabilitées pour être accessibles aux touristes. Il y en a combien dans la région? Ici, dans les Dolomites, nous en avons plus de 15. Bon, ça me laisse de quoi faire, hein. Oh là là, c'est hyper haut. Cliffhanger. Yeah. C'est vraiment hyper sympa à faire hein, comme activité. C'est très ludique et puis sportif aussi. Oui, c'est une très belle activité pour tout le monde, pour les professionnels et pour les familles avec des enfants. Il y a aussi des Via Ferrata pour les débutants. Ah, ça y est, on y est, le sommet. Ça valait le coup, hein. La vue, elle est imprenable. Bien joué. Thank you.
Cortina est également connue pour son côté chic et glamour depuis une centaine d'années. J'ai justement rendez-vous avec Elisabetta, un personnage haut en couleur, vous allez voir. Ah, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Elia. Bienvenue à l'Hôtel Ambra. Merci beaucoup. Hôtel de Cortina. Bah, fashion, tu es magnifique. Merci. Hein. Et alors, ton hôtel, c'est la référence à Cortina pour la mode, c'est ça? C'est le fashion hôtel. Si on veut parler de mode ici, et il y a beaucoup de gens qui viennent pour se faire voir et être admirés. D'accord. Tout à la mode. Sandy, on va en Corse Italia, je te fais voir les belles boutiques de Cortina. Ok, allez, tu m'emmènes. Oui. Ici, c'est le centre des socialites de Cortina. Et les shopping, c'est le matin que je te fais voir. Montre-moi tout ça. Allez, alors, c'est la maître de la mode. On doit être élégant et sexy. D'accord. Non? Et pas vulgaire. Pas vulgaire et pas ordinaire. Oh, ça c'est hyper rock. Je voudrais ajouter quelque chose de romantique qui me fait faire la femme fatale. Tu veux danser toute la nuit? Oui, mais si, à Cortina, on n'est jamais trop élégant. Ah bon? Oh. Et pourquoi? Pour trouver l'amour. Et donc on se met la plus belle possible. Hop! Alors? Bon, Elisabetta, je suis perchée sur 10 ou 12 cm, c'est bon, je suis c'est bien le comme symbole ça. De Cortina. Les talons doivent aller. Corse Italia, go, go, go. Je t'invite ce soir, il y a un bar à vin à côté de mon hôtel. Mm-hmm. On peut boire un apéritif avec mes amis. Bah, avec plaisir. Oui, après on va sûrement danser. Eh bien, ok. Je te retrouve ce soir. Okay. Ça marche? Ça à plus va, tard. Merci, Elisabetta. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un AP. C'est un véhicule traditionnel de Cortina. On peut le conduire dès 14 ans. 14 ans? Tu veux faire un tour? Mais avec plaisir. C'est tout petit. Je vais jamais tenir là-dedans. Je sais pas où mettre mes jambes. C'est très petit à l'intérieur. Elisabetta m'a donné rendez-vous là. J'apprécie le clin d'œil. Hey, hey, Elisabetta. Giovanni, je te présente Sandy. Enchantée, enchantée Giovanni. Je me suis permis de te donner les bollicine, qui est un vin très bien pour la soirée. C'est très joli ici, ça me plaît beaucoup. Il y a 4-5 bar à vin ici à Cortina. Et c'est une tradition l'apéritivo oui, en Italie? Oui, c'est une tradition. On ne peut pas commencer la soirée si on n'a pas mangé un peu de charcuterie, un peu de fromage là-bas. D'accord. Et un peu de vin blanc. Le vin blanc, c'est notre champagne. D'accord. Et on commence à quelle heure l'apéritivo alors? On commence à 6 heures, on peut arriver jusqu'à 8 heures. Tu sais que les Italiens ne sont pas très programmés. Ils vont improviser la vie. D'accord. Et ils sont toujours en retard. Parce que si en bonne compagnie, on boit. On oublie l'heure on de oublie rendez-vous. Le rendez-vous et on n'est pas programmé. On a une liberté, une art de vivre. Mais je trouve intéressant, ce n'est pas le boire, mais c'est-à-dire on se trouve là. Ouais. On se trouve tout là. C'est vrai. On se retrouve, on se rencontre. Parce qu'avant-midi, quand on arrive, tu veux voir qui est arrivé, qui n'est pas arrivé, qui est triste, qui est content. Oui. Mm-hmm. Et même, regardez, parce que... Je vais trouver l'amour ici ou pas? Garantie au citron, on dit. Ah, garantie au citron. Au citron, garantie au limone. C'est une jolie expression, ça. C'est d'accord, expression. Garantie au citron, je rencontre c'est, l'amour ici. C'est. Eh bien, viva. Viva à ça. Au citron. Au citron. Ainsi
s'achève mon immersion à Cortina. J'espère vous avoir donné des envies de sport, d'élégance et de romantisme. Restez au top et je vous retrouve bientôt dans de nouvelles aventures dans les Alpes.